Après coup, on reconnaîtra qu'il avait raison. Je suis persuadé que le plan de jeu qui a été mis sur pied aujourd'hui a eu une grande importance. Il a été même déterminant. Je crois pouvoir le dire, parce que les données tactiques étaient extrêmement difficiles, dans la mesure où il fallait d'abord, voir les stages de qualité. Il fallait que nous, pour se qualifier, il fallait marquer. Donc on ne pouvait pas jouer uniquement avec deux attaquants de pointe, il fallait conserver trois attaquants. Leur milieu de terrain est bien fourni, il fallait également pour les contrer efficacement, il fallait également en mettre quatre en place, ce qui a été fait également. Et alors leurs deux fers de lance, il fallait également les neutraliser, ce qui a été également fait. Mais avec deux stoppers, avec trois défenseurs, donc plus Abdel, c'est extrêmement difficile. Il manquait un arrière-aile. Alors je pense que c'est là que résidait un peu la clé du problème, c'est-à-dire que en alternance, ce rôle de quatrième défenseur a été assuré par Ilrich et Bondé. Donc en alternance, qui décrochait à chaque fois quand le besoin se faisait sentir. Et je crois que ça a été fait admirablement bien. Et on leur a posé un problème extrêmement ardu et qui a été payant à l'arrivée. Dès la veille de la rencontre, on savait que Bonnevet jouerait. Par contre, Bezaz n'était vraisemblablement plus partant. On se dirigeait donc vers l'équipe suivante, Rust, Rustic, Jadaoui, Posca, Anziani, Bonnevet, Ivezic, Gengini. Djurkalic, Revelli et Meyer, mais encore une fois, Renéo se refusait à officialiser cette formation. Le doute planera donc jusqu'au coup d'envoi où l'on voyait apparaître cette équipe révolutionnaire, Anziani passant en quatrième milieu de terrain, Revelli avec toutefois le numéro 11, devenant en fait avant-centre, ceci dans l'optique de ce fameux 4-4-2 joué par Boavista, petite ruse de guerre qui avait encore ajouté du piment à cette rencontre indécise. Arthur et Jadaoui échangent les fanions traditionnels juste avant le coup d'envoi. Grâce à cette organisation judicieuse et une occupation rationnelle du terrain, Sochaux à gauche va se montrer le plus entreprenant au début de la rencontre, monopolisant le ballon et faisant le jeu, alors qu'ici un tir d'Eliseu passe de peu à côté. Ce sera la première action dangereuse à l'actif des Portugais. Ici une sorte de centre-tir d'Anziani qui menace Matos, lequel a été obligé de détourner le ballon devant la charge de Meyer. Meyer par ailleurs très bon, actif à souhait à l'aile gauche, par des démarrages incessants. Djurkalic en possession du ballon, donne latéralement à Jacky Bonnevet, très libre de ses mouvements et à hauteur lui aussi d'un match de bonne qualité. Le noir, Adao, dégage de la tête. Les Portugais, fidèles à leur tactique, n'imposaient pas le jeu, sont tentants de s'infiltrer dans les brèches chaque fois qu'ils en avaient la possibilité. Un mot du terrain aux dimensions restreintes et de la pelouse notamment, très inégale, qui ne permettait pas de déployer des actions d'envergure. La meilleure occasion sera l'actif des Portugais à la sixième minute. Lorsque sur un centre de la gauche, que nous allons voir dans quelques instants, une reprise en tête plongée de Julio ricochera sur le poteau. Les Sochaliens ont eu très chaud à ce moment-là. La chance était avec eux, ils peuvent lui dire merci. Comme quoi, l'issue d'une rencontre tient souvent à des choses comme cela. Posca ici a encore eu le bon réflexe. Sur le corner de Djurkalic, Gengini par deux fois alors qu'il était en bonne position de marquer, va échouer sur un défenseur, puis sur le gardien, du droit d'abord, on le comprend, puis du gauche. Mais là, il faut dire qu'il était moins bien placé. Là aussi, Matos avait été béni par la chance. Sur le centre de la gauche, Anziani tente une reprise de volée audacieuse, mais le ballon part mal et n'inquiétera pas la défense adverse. Puis ce sera au tour de Meyer, suite à une combinaison avec Revelli, d'avoir une bonne occasion, mais le tir du gauche du Sochalien est passé à côté. Sur un coup franc adverse, les Portugais vont réclamer un pénalty pour une soi-disant faute de main de Jadaoui. L'arbitre, M. Briggs, fait signe de jouer, il a parfaitement raison. Tir portugais de loin par Eliseu, Albert Rust, qui a le soleil dans l'œil, doit s'y reprendre à deux fois pour stopper le ballon, sans qu'il soit vraiment d'ailleurs en danger. Meyer qui obtient le coup franc car le défenseur portugais Arthur a touché le ballon. C'est Djurkalic qui le tire, bonne frappe de balle mais au-dessus de feu. Et la mi-temps interviendra
parité, les deux équipes restant sur leur position. Et pourtant, la domination sochalienne, notamment au milieu du terrain, avait été constante durant ces 45 premières minutes. En attaque, par contre, il manquait la bonne pointure, et ce, en dépit de l'excellent travail de Revelli, jouant tout en déviation, en remise immédiate, et qui avait donné de bons ballons à ses partenaires. Ivesic, ici, va glisser à Meyer. Démarqué, un bon centre à ras de terre pour Gengini qui trébuche au moment de tirer, mais Matos doit tout de même se coucher sur le ballon. Ce pouvait être une occasion et ce dès la reprise. Les Portugais vont se faire beaucoup plus pressants par la suite, mais Sochaux veillera au grain. Adao ouvre sur la gauche en direction de son ailier qui n'est pas hors jeu et Russe intervient fort à propos comme il le fera tout au long de la partie. Il faudra donc attendre la 75e minute pour voir Sochaux réussir le but tant espéré. Il viendra à la surprise générale sur un centre de Gengini. Le voilà, déviation de la tête de Revelli. Anziani et Durkalic suivent. Matos se couche sur la balle, mais la manque. Pas Durkalic, qui d'une pichenette est parvenu à la loger au fond des filets. Vraiment à la surprise générale. Un silence presque de mort de la part du public de Boavista. Il était venu nombreux, 15 000 spectateurs. Je vous laisse bien sûr deviner la joie des 60 supporters sochaliens qui avaient fait le déplacement. Ils étaient un peu perdus dans les gradins. Durkalic, héros du jour finalement, et c'est bien ainsi car c'est un garçon très méritant. Le dernier quart d'heure sera très difficile comme bien l'on pense. Crispant au possible, mais vous allez voir que Boavista jettera toutes ses forces dans la bataille sans grand discernement finalement, attaquant aveuglément, plus souvent, préférant un forcing batailleur à un jeu clairvoyant, si bien que les Sochaliens n'éprouveront pas de grandes difficultés à faire front et à tenir le résultat. Il fallait le tenir sans perdre la tête, ce qui a été fait. Ici, Meyer sort et laissera sa place à Stopira. Stopira qui va marquer un but peu après sa rentrée sur un lob réussi. Il aura aussi une autre occasion de marquer. Mais ce but sur l'aube, M. Briggs le refusera pour hors-jeu alors que le juge de touche ne l'avait pas signalé. Qu'importe. Kalawi, les Portugais reprennent et intervention de Albert Rutz. Mais il y a eu charge sur le gardien et les Sochaliens vont donc pouvoir se dégager. Et ici, on va assister au tir le plus dangereux par Bravo sur son mauvais pied, complètement manqué. Donc pas de danger pour la défense sochalienne. Ce sont les dernières minutes de la rencontre. Ici, le gardien Matos dégage et M. Briche va siffler la fin du match. Une grande joie. Et un succès acquis à la loyale, parfaitement mérité, succès collectif d'une équipe bien préparée, qui était motivée pour réussir l'exploit que l'on disait impossible. C'est bien Patrick Revelli qui avait raison lorsqu'il nous disait lundi qu'il sentait une grande détermination chez ses partenaires avant le départ pour Porto pour faire un résultat. Les Portugais, eux, sont quelque peu déçus, mais ils reconnaissaient que Sochaux avait parfaitement mérité sa victoire.